Thank you.
Just broke the law. Short time around and I make this whole thing.
Bonjour à tous et bienvenue à ce match de cet après-midi qui oppose les Janois d'Allemagne aux Dragons du Collège de la Flèche. Vous êtes en compagnie de Zachary Desrosiers et cet après-midi, ça va être un gros match entre deux équipes. La troisième position, les Janois d'Allemagne, face au cinquième, la cinquième position, oui, les Dragons du Collège de la Flèche. Les deux équipes qui ont remporté leur dernier match, les Janois qui avaient remporté par la marque de 4-1 hier. Et les Dragons du Collège de la Flèche vont emporter par la marque de 2-1. Grosse victoire du côté des Dragons, un match serré. Les Genois qui ont une fiche de 19 victoires, 5 défaites, 2 défaites en prolongation. Du côté des Dragons, fiche de 16 victoires, 11 défaites, 1 défaite en prolongation. Des fiches à peu près similaires, des équipes qui ont beaucoup de talent. Un match à haute intensité ici au centre Mario Tremblay. Un peu plus tard avec les gardiens partants lorsque les joueurs feront leur entrée sur la patinoire. Je suis en train de faire quelques tests de micro. Ici, désolé de l'inconvénient. Trentaine de secondes, les joueurs qui arriveront sur la patinoire. Comme l'ai dit, les deux équipes qui se sont déjà affrontées deux fois cette saison, oui. Les équipes qui ont chacun rapporté une victoire de chaque côté. Ça va être un match important aujourd'hui au classement général. Les deux équipes qui ont des séquences de victoires et donc l'une d'eux s'arrêtera cet après-midi. Comme je l'ai mentionné, vous êtes à la compagnie de Zachary Desrosiers qui sera à l'analyste et à la commentation de ce match. Cet après-midi au centre Mario Tremblay. Les Dragons qui font leur entrée sur la patinoire, de même pour les Janois. Ils ne sont pas en uniforme aujourd'hui du côté des Janois. Le numéro 77 de Charles-Antoine Tremblay, le numéro 17 Mathieu Lavoie. Et le numéro 66, Vincent Tremblay. Trois grosses pertes du côté des Janois. On va être prêt aussi pour... On écoutera l'annonce en maison. Étienne Gélinas qui sera le gardien partant du côté des Dragons. Une fiche de 8 victoires, 5 défaites et une défaite en prolongation. 2,51, le pourcentage d'arrêt de 90%. Qui sera le gardien d'office cet après-midi pour les Janois. Une fiche de 10 victoires, 2 défaites, moyenne de 1,92, un pourcentage d'arrêt de 93%. Une excellente saison pour le gardien des Janois, oui. On va avec l'aliment partant du côté des Janois. Carré Gagnier et Tommy Delbois, ce que j'ai vu jusqu'à présent. Félix Gauthier par la suite le sera aussi. On sera prêt pour les nationaux ici au centre Mario Tremblay.
Les Nationales qui viennent se faire entendre. On est prêt, j'irai avec l'alignement partant du côté des Dragons. Numéro 10, Zachary Thibault. Le numéro 17, Charles Junot. Le numéro 18, Alexandre Parent. Le numéro 19, Marc-Antoine Robert. Et le numéro 26, Charles Poirier. Ce sont les 5 attaquants que l'entraîneur-chef a envoyés sur la patinoire pour débuter la rencontre. Du côté des Janois, j'ai bien entendu Tommy Desblois, Zachary Gagné et Félix Gauthier. Je crois que c'est Vigneault aussi est là. Nadeau, pardonnez-moi. Philippe Nadeau qui sera aussi sur la patinoire. Je ne m'abuse. On est prêt ici. Alors, ça sera Zachary Gagné ici. Et on est prêt pour la mise en jeu initiale de ce match entre les Dragons et les Janois. Bon match à tous et à toutes. On souhaite une excellente rencontre ici sur les ondes de YouTube. Apporter là déjà une première pénalité, je crois bien. Et là, c'est une pénalité assez... débute assez vite, oui. Très bien. Tommy Desblois qui sera déjà puni pour 2 minutes. Et dès les premières secondes de ce match, on est en avantage numérique du côté des Dragons. La bonne façon qu'on voulait commencer du côté des Génois en désavantage numérique dès le début de la rencontre. On va devoir effectuer du bon travail pendant les 2 prochaines minutes. S'il semble avoir des problèmes avec l'audio, veuillez nous écrire en commentaire. Nous ferons notre possible pour améliorer la meilleure discussion possible ici. C'est pas mal au tremblé. L'enjeu remporté par les Génois, repris derrière le filet par Parent. Parent avec le disque, Alexandre Parent. Laisse. Pour son défenseur, je crois bien que c'est Charles Junot. On envoie de la bande. Ça sortira. C'est Deschaine. On passe pour son coup de pied en fond de zone. Charles Prudette. À la suite repli. Thibault. Thibault avec le disque. Et là, il y aura une autre pénalité. On a bien fait du côté des Génois. Le début d'escarmouche devant le filet de Olivier Prudette. Cette pénalité qui annulera l'avantage numérique, je crois bien, on sera puni du côté des Dragons. Tout à fait. Je crois que c'est Alexandre Parent qui sera puni pour 2 minutes. Nous allons en dire le jeune Parent. On voit déjà notre, ça se dirige vers le banc. Donc, on jouera 4 contre 4 pendant 1 minute 31. Par la suite, avantage numérique du côté des Génois pendant 29 secondes. L'enjeu rapporté par Talbot. C'est repris par Talbot. On laisse pour Sénéchal. D'un côté pour Nadeau. Nadeau s'avance, tire, dévié derrière le filet. C'est Talbot qui parle le disque. Je vois pas bien le numéro du côté des Dragons. C'est repris derrière le filet par Demers. On envoie derrière le filet. Et ce sera la pénalité. Puni pour double échec du côté d'Alexandre Parent. C'est repris par Robert. Mauvaise passe de Robert. C'est directement dans les mains de Sénéchal. Simon Sénéchal laisse pour Philippe Nadeau. Un lob de Nadeau pour Talbot. Dragon qui récupère cette rondelle. On s'en met rapidement du côté de Larkin. Larkin qui récupère ce disque avant les Dragons. Dragon qui prend. Larkin qui prend bien son temps. Derrière le filet, c'était repris par Charles Boyer. Par le disque aux mains de Bernard. Bernard toujours avec la rondelle. À la pointe pour Potvin. 13 vers Potvin qui a tiré bloqué par la défensive des Dragons. C'est repris par Larkin. On rentre dans une verte du côté de Dufour, Mathilde Dufour. Pousse pour lui-même en fond de zone. Laisse pour son défenseur Larkin. Larkin tire. Était dévié. Et ce disque qui se retrouvera près d'un partisan. Un souvenir pour ce jeune homme. Il a été des Génois qui prendra fin dans 3 secondes. On se rend donc en avantage numérique pour 30 secondes du côté des Génois. Encore de tirs officiels sur les gardiens jusqu'à présent. Il y a 17-59 à faire à cette première période. Les enjeux rapportés par les Génois Gauthier. Pénalité qui vient de prendre fin, le retour. On est en avantage numérique du côté des Génois. Dupuis, l'Est, pour Desblois.
Desbrocs qui vient fraîchement sortir devant les pénalités, laisse pour Larkin. Le tir Sénéchal et un premier tir, voilà. Envoyé de la part de Simon Sénéchal, Étienne Gina qui fait l'arrêt. Il ne laisse aucun retour. On est prêt à la droite de Gélina. On laisse derrière pour Dupuis. Dupuis tire de la pointe. Tire le but! Je pense que ce disque a dévié. Zachary Gagné qui semble avoir dévié ce disque de même que Dupuis qui a envoyé ce disque de cette rondelle au filet. Et les Genois qui inscrivent le premier filet du match en avantage numérique. Bien sûr, avec l'annonceur maison, je crois bien que c'est le défenseur qui a dévié Vincent Dupuis qui a envoyé ce tir au filet. On tire un peu avec la vue cachée. Je crois que Zachary Gagné a dévié ce disque au dernier moment. De toute façon, les Genois qui prennent l'avance dans ce match. Un enjeu qui a été rapporté par les Genois, c'est Dupuis qui a de l'autre extrémité pour Mathiel Dufour. Les gars, vont falloir récupérer par les Dragons. C'était Boudreau Miller. Par rondelle. Dupuis la récupère. C'est frappé de Dupuis. Le gardien Gina qui récupère derrière son filet. La passe pour son coéquipier Prudette. Bataille dans le coin avec Prudette. Boudreau Miller. Récupère derrière le filet. Par le numéro 25, Vincent Deschênes. Vincent Deschênes est trébuché. On ne perdra pas de pénalité. On laisse pour Dupuis. Dupuis qui n'a pas pu réceptionner ce disque. On prend l'arrêt à son filet. Toujours avec le disque, Vincent Dupuis. Feinte, ça touche un patin. Toucher le patin de Parent. C'est récupéré par son coéquipier. Vigneault. Vigneault qui touche le disque. Laisse pour son coéquipier derrière le filet. Je crois bien que c'est Prudette. Prudette, oui. Derrière son filet, premier son temps. On écoute le premier but des Genois. On avait bien vu ici dans les hauteurs du centre Mario Tremblay, Zachary Gagné qui a fait dévier ce disque et qui a inscrit le premier filet de cette rencontre. Le Dragon qui récupère la rondelle. Il tente de dévier en zone almatoise. C'est Sénéchal qui envoie par la bande. Il récupère du côté de Tremblay. Les Dragons qui récupèrent ce disque, c'est Boyer. Il envoie par la bande. C'est récupéré par le numéro 17, Charles Junot. Junot toujours avec le disque, malheureusement, perd celle-ci. Par celui-ci, oui, pardonnez-moi. Gagné avec le disque. Hauteur du premier filet. L'avance, tire. Tire qui semble avoir dévié. Et celui-ci qui se retrouve chez les spectateurs sur le filet protecteur. Et ça cause l'arrêt de jeu. 15 minutes 48 à faire à cette première période. 1-0 maintenant, les Genois qui viennent de marquer. Zachary Gagné, l'auteur du premier filet. On reprendra à la droite de Étienne Gélina. Un jeu rapporté par les Dragons. Charles Voyer. Toujours avec le disque. Voyer, mauvaise passe. C'est récupéré. Bien fait. Le Dragon qui a réussi à récupérer le disque malgré la mauvaise passe. Le numéro 13 qui a ce disque, Lucas Bélanger. Bélanger. Tente de couper, envoyer ce disque devant le filet. C'est repris par les Genois. On dégage par la bande du côté d'Alma. Le numéro 13 qui repère cette rondelle, Hubert Potvin. Hubert Potvin qui feinte vers la rondelle. Bataille repris par les Dragons. Aussitôt, les Genois qui récupèrent cette décision. Tire de la pointe, bel arrêt de la part de Fredette. Tire de la ligne bleue, oui, pardonnez-moi, non, de la pointe, oui. Dragons qui garde ce disque en zone des Genois. On récupère du côté d'Alma. On va effectuer envoyer des sursaufrages du côté de la troupe. Les Dragons, et là, une belle feinte. Un tir et bel arrêt de la part d'Étienne Gélina. Il vient de se signaler ici. Il gardait son équipe dans le match malgré le premier but du côté des Genois. Une belle feinte, je crois bien, ça a venu tout à l'bot. Et la grosse mitaine de la part d'Étienne Gélina qui effectue cet arrêt. L'enjeu encore une fois à la droite de Gélina. L'enjeu un peu gagné mais sorti hors du territoire. C'est Vigneault. On voit une mauvaise passe. C'est le dégagement qui sera accepté par les officiels. Je croyais bien qu'on allait refuser. Le Dragon qui récupère derrière leur filet. C'est pour le numéro 22, Thomas-Xavier Boisvert. Boisvert derrière la rondelle, un tir. Et Gélina ne peut capter.
On va par la bande. Récupéré par les Janois. Demers en poursuite du disque. Demers freine, oui. On voit la défensive. Un tir qui se rend pas au filet. Ça prendra du bon nom de O'Grady. On va de l'autre côté pour Tommy Desbois. Belle feinte de Desbois. On s'est découpé devant le filet. Et le but! Oh, et drôle de séquence du côté du gardien Gina. Tommy Desbois qui s'est amené de couper devant le filet. Et qui a envoyé ce disque entre les jambières de Étienne Gélina. On dirait qu'il voudrait sûrement revoir le jeune Gélina. Et maintenant, c'est 2-0 pour les Janois en ce début de match avec un peu plus de 5 minutes d'écoulé à cette première période. On appellera temps d'arrêt du côté des Dragons du Collège La Flèche. C'est pas le début de match qu'on voulait avoir du côté des Dragons de La Flèche. On va retourner à la table à dessin ici pour espérer revenir dans ce match. Un début, deux buts assez rapidement du côté des Janois. Du côté des Janois, on doit continuer sur cette lancée. On amène des bons tirs au filet. C'est mon ancien gardien Gilles qui s'est signalé à plusieurs reprises. On a eu un drôle de bon, drôle de jeu hasardeux du côté de Tommy Desbois. C'est ce qui s'est retrouvé derrière le filet. Dans le filet, oui, pardonnez-moi. Tour au centre des mises en jeu, c'est remporté par les Dragons. Reprise par les Janois. C'est Maltais. Maltais coupe devant le filet, mauvaise passe, un tir. Bel arrêt de la part du gardien Fredette. On écoutera le but des Janois. Carigoyen qui récolte son deuxième point sur une assistance sur Tommy Desbois. Et là, Boudreau-Miller qui s'amène à toute vitesse, qui se fait accrocher. Il y aura pénalité au Dragon. Et dès qu'on touche à disque, l'arbitre qui signe la pénalité. Vu la vitesse de la part de Thomas Boudreau-Miller, il a contourné le défenseur et le défenseur, lui, est obligé de l'accrocher. Sinon, il y avait, je crois, une échappée. On se retrouve encore une fois en avantage numérique du côté des Janois. On a vu un court avantage numérique au début du match avec les 30 secondes. On a réussi à marquer. Donc, on profite là, de deux longues minutes de power play. On peut dire comme... appelez-le comme vous voulez. On se retrouve à l'avantage d'un homme du côté des Janois. Mise en jeu à la droite d'Étienne Gélina. Mise en jeu rapportée par les Janois. On envoie pour Larkin. Larkin passe transversale pour Flajol. Malheureusement, celle-ci était trop loin. Repris par le numéro 20 du côté des Dragons. Tenté de dégager Marc-Alexandre Richard, jeune homme de Val d'Or. On envoie un tir frappé. Bel arrêt de la part. Ça prenait du bâton de Larkin. Bel arrêt de la part de Gélina. Fredette qui laisse derrière son filet pour Maltais. Lucie laisse pour son coéquipier Gagné. Zachary Gagné laisse de l'autre côté, je crois bien, pour Vignon. On voit en fond de zone, c'est récupéré par Gagné. On voit la bande. C'est Flajol, lancé frappé, tir, bel arrêt. La part de Gélina qui s'est déplacée de la droite vers la gauche. Et un bon lancé frappé de la part de Larkin. Justin Larkin qui est sur son arme de prédilection jusqu'à présent. Ça fait plusieurs fois qu'on le voit depuis le début de l'avantage numérique. Des tirs frappés puissants. Bien stoppés par Étienne Gélina. 1 minute 12 à faire à la pénalité du côté des Dragons. C'est bien le numéro 25, Vincent Deschênes, qui a été pris en défaut. Il y en a qui récupère cette rondelle, Tommy Desbois. Prend bien son temps, envoie par là-bas, on le laisse pour son défenseur Sénéchal. Vignon. Desbois, pardonnez-moi, tir. Gauthier, retour et le retour laissé par Gélina, repris par ses coéquipiers. On va réussir le dégagement du côté des Dragons, on va effectuer des changements. Sénéchal qui reprend derrière son filet. Laisse pour Talbot. De l'autre côté pour Desbois qui s'avait à toute vitesse. Desbois freine. Regarde ses options de passe. Envoie pour Nadeau. Sénéchal avec la rondelle.
On a tenté une passe pour Deblois. Malheureusement, celle-ci a été complète. Le Dragon qui perd ce disque devant le filet. Lando qui récupère pour Sénéchal. On n'a plus de bâton du côté d'un joueur des Dragons. Deblois tire et le but. Et le but compté par Tommy Deblois. Je crois bien son deuxième filet du match. On est emprisonné dans le territoire des Dragons. Et dans la marque qui est 3-0. Non, je crois bien, c'est pas. Ce n'est pas, oui, Deblois, c'est Talbot. Olivier Talbot qui marquera. À la suite d'une longue séquence en zone des Dragons. Maintenant 3-0. Je crois bien qu'on va effectuer un changement de gardien. Julien Letourneau qui fera sa place. Étienne Gilles-Lac qui a accordé 3 buts sur une. Environ 6 lancés, je crois bien. Pas les buts espérés pour Étienne Gilles-Lac, qui a quand même une bonne fiche cette saison. Julien Letourneau qui arrive dans la mêlée avec 8 victoires, 6 défaites et une moyenne de 3 buts par match et un pourcentage d'arrêt de 89%. Paul Lébus compté du côté pour les Dragons. 3 buts en moins de 10 minutes. Là, le but qui est déplacé, Julien Letourneau, je crois bien qu'il a fait sortir le filet de ses amarres avec son patin. On reprendra en zone des Dragons. On reprendra à la gauche de Julien Letourneau. Le jeu rapporté par les Janois. On envoie un long tir bloqué. Premier tir pour le gardien Julien Letourneau. Un bon premier test de la défensive de la part de Vigneault. On prendra à la gauche de Cerver. Encore une fois rapporté par les Janois. C'est bien joué de la part de la flèche des Dragons, oui. Le joueur, c'est le numéro 10, oui, pardon moi, qui a tenté de sortir de territoire, c'est Zachary Thibault. Par la suite, c'est le numéro 8, Juno. On entendra un changement de gardien qui vient d'arriver, comme je l'ai mentionné. 3-0 pour les Janois en ce début de période. Ce début de match, oui, moins de 10 minutes après le début de cette rencontre. 3 buts comptés par les Janois. On écoutera le filet, le troisième des Janois. Manuel Fassier du côté des Dragons, ses parents, belle passe, tire malheureusement trop haut. Ça promenait du bâton, oui, de Thibault. On envoie derrière le filet, je crois bien, pour Thibault, oui. Solide, mise en échec. La part de Thibault sur le joueur des Janois. Bataille à 6 dans le coin. 4 joueurs, même 6 maintenant, encore une fois. On dirait qu'il ne veut pas bouger d'un centimètre. On envoie la défensive, c'est O'Darcy. Un bel arrêt de la part de Fredette. Du bout de la jambière. Mathiel Dufour avec le disque. Envoie à fond de zone. Il suit une solide mise en échec. C'est repris derrière le filet par Antoine Darcy. Pardonnez-moi la prononciation. Janot qui envoie en fond de zone. C'est repris par Vincent Deschênes. Janot qui récupère cette rondelle. Tente de dégager de l'autre côté. Numéro 22, Thomas-Xavier Boisvert qui récupère cette rondelle. On renvoie de l'autre côté encore une fois. On tente la sortie de zone. C'est bien fait par Doucet. Une feinte. Malheureusement, trop. Ça prenait du bâton de mer, je crois bien. Pas encore de tir menaçant du côté des Dragons jusqu'à présent. Disque qu'on cafouille un peu entre Nadeau et Talbot. Talbot qui récupère cette rondelle. On voit une longue passe pour son coéquipier Maltais. Maltais qui envoie en fond de zone. Récupéré par Berroir, je crois bien. Pardonnez-moi, c'est le numéro 19, Robert, Marc-Antoine Robert. Désolé. C'est repris par les Dragons. On va envoyer en fond de zone du côté là de la flèche. Poussé de la part de Lucas Bélanger. Bélanger toujours, une feinte. On va les défoncer, malheureusement, mauvaise passe et on sortira du territoire. C'est Voyer. On va de l'autre côté pour Bélanger. Sortira encore du territoire. On est incapable de s'installer et de rentrer en territoire offensif du côté des Dragons. Vous voyez à la poursuite du disque avec Tremblay, je crois bien. Bernard, pardonnez-moi, Jacob Bernard. De l'autre côté pour le numéro 11, Antoine Julien. Encore une fois, une mauvaise passe. Et c'est les Janois qui récupèrent cette rondelle. On tend dans le jeu simple. On garde le jeu assez calme du côté des Janois. On a une bonne avance en ce début de match.
La jolle à la poursuite du disque. C'est récupéré par Lemoine, si je prononce bien. Talbot envoie la défensive pour Vigneault. Pour Dupuis. Dupuis tire. Bel arrêt, je crois bien, de la part de Julien Letourneau. Dégagement sera accepté. Vincent Dupuis à la poursuite de disque. Plus rapide. Vincent Dupuis toujours avec la rondelle. Derrière son filet, prend bien son temps. Va trouver, tenter de trouver la meilleure option. On envoie une longue passe pour Delbois qui s'amène à toute vitesse. Tommy Delbois passe de l'autre côté. Ça a bien failli faire un quatrième but du côté des Genois. On va faire attention, possibilité de... Je crois qu'il y avait une échappée. On a bien fait du côté de la défensive. C'est Doucet qui envoie en fond de zone. De l'autre côté, un tir, bel arrêt. Un peu anodin du côté de Fredette. On tente la longue passe. On a réussi à rejoindre Tommy Delbois, mais seulement d'un bout. Un solide contact de la part de Delbois qui attend... Le joueur des Dragons qui a évité cette mise en échec et Delbois qui s'est retrouvé par terre par la suite. On reprend la défensive, c'est Larkin de l'autre côté. On va voir faute victoire, Julien Letourneau qui réussit à capter cette rondelle, qui a fusion un peu entre ses défenseurs. Jeannot qui récupère cette rondelle. On envoie de l'autre côté pour Potvin, en fond de zone pour Delbois. Delbois avec Talbot. Dragon qui récupère ce disque. D'inviter un bâton, oui, il est fait. Donc, passe malheureusement interceptée par les Janois. C'est reprise aussitôt par Junot qui envoie en fond de territoire. Pas de 20 feintes. Avec Thibodeau. Janois qui récupère ce disque. Passe dans les patins pour Tremblay. Et ce disque qui se retrouvera au banc des Dragons du Collège de la Flèche. On vous le rappelle, 3-0 pour les Janois. 6 minutes 36 à faire à cette première période. Danger qui sera à la proximité de la zone des Dragons. Danger remporté par les Dragons. Le grand territoire de la flèche, c'est Vincent Deschênes derrière son filet. Deschênes. Longue passe pour son coéquipier, je vois pas bien le numéro. Celui-ci envoie en fond de zone. C'est numéro 22, Thomas-Xavier Boisvert. On envoie la défensive. En fond de territoire, je crois que c'est pour Junot. De Metz, pardonnez-moi. On reprend du côté de Sénéchal. Janot qui récupère cette rondelle. On prend bien le temps, on va effectuer la bonne sortie de zone. Sénéchal derrière son filet. 5 minutes 57 à faire à cette première période. Jeannot qui mène 3-0 à l'interception. Un tir et malheureusement, Nathan ne parvient pas au filet. Prenez du bâton de Félix Demers. À l'offensive, c'est-à-dire qu'il sortira du territoire. C'est repris par Darcy. Numéro 27, Antoine Darcy. Jeannot qui s'amène en offensive. C'est un tir malheureusement. Mathieu Dufour qui n'a pu compléter la séquence. Model qui sortira du territoire, on prendra. Poussé de la part de Vigneault. Derrière son gardien de but, Fredette. Vigneault pour Dupuis. Dupuis rentre après la ligne rouge, dégagera en fond de zone. Repris par le numéro 20, Marc-Alexandre Richard. Oui, pardonnez-moi. Derrière le filet. C'est repris par le numéro 13, Lucas Bélanger. On a tenté la sortie de zone. C'est repris rapidement, oui, par Dupuis. Dupuis qui a en fond de zone pour Baudreau-Miller. On a le temps d'envoyer le refilet. Le but compté par les Janois. Le quatrième, une belle séquence. Et celui-ci se termine derrière le filet de Julien Letourneau. Olivier Talbot, je crois bien qu'il marque son deuxième filet du match. Belle séquence, la transversale pour Talbot. Julien Letourneau qui n'a pas pu compléter son déplacement. Oui, pardonnez-moi. C'est Dutsky qui se retrouve derrière le filet. 4-0 pour les Janois en première période. Tout va mal du côté des Dragons. On est capable d'envoyer des bons tirs au filet. Incapable de s'installer en territoire. Et le score qui est 0-4 pour les Dragons. On tire de l'arrière, pas 4 filets en première période. C'est pas ce qu'on souhaitait du côté... Les Dragons en s'emmenant ici cet après-midi à Alma après avoir remporté une grosse victoire lors du dernier match 2-1.
Il y en a qui récupère cette rondelle. C'est pour Dupuis. Talbot vers celui-ci. Mais récupère par le chute à la chute l'erreur du. On tente d'envoyer dans un filet. C'est pour Larkin. Larkin feinte un tir. Bel arrêt de la part de Julien Letourneau. Repris par les Dragons. On envoie derrière le gardien. C'est Alex Berroir, si je prononce bien. Désolé si je prononce la mauvaise prononciation de certains noms. On écoutera l'abus des Janois. On a tenté le tourniquet un peu plus tôt lorsqu'on annonçait, l'annonceur maison faisait son annonce et Julien Letourneau qui veillait au grain, je crois bien, qui a effectué cet arrêt. On s'en est rapidement du côté des Janois. Avec 3 minutes 55 à faire à cette première période. 4-0 maintenant le score pour les Janois d'Alma face aux Dragons du Collège de la Flèche. Nous avons rapporté un tir dévié. Bon tir de la part de Félix Gauthier. L'arbitre qui lève les deux bras, le garde le filet qui sort encore une fois de ses amarres. Julien Letourneau qui va tenter de régler à cette situation, remédier à la situation, oui, pardonnez-moi. Il y a plusieurs fois que le filet sort de ses amarres depuis qu'il est entré dans la partie. Un grand gardien, Julien Letourneau. Le jeu rapporté par les Dragons derrière les filets. Tente une feinte. Je crois que c'est bien le numéro 25, il y a Vincent Deschênes. On récupère du côté des Dragons, ça mène une offensive. Il y avait hors-jeu, on a fait accrocher, je crois bien, Desblois, qui a poussé le joueur Antoine Julien dans le territoire pour provoquer l'hors-jeu. Donc, une chance ratée du côté des Dragons du Collège La Flèche. Rondelle qui sera déposée. Près de la ligne bleue, oui, des Janois. Le jeu remporté par le numéro 18, Alexandre Parent. Dégagera en fond de zone. Fredette qui peut récupérer sa disque, c'est repris par Sénéchal. Sénéchal est une seule mise en échec, puis la passe pour son coéquipier. Je crois bien que c'est Gauthier. Gauthier disque intercepté. On s'amène à la face du côté des Dragons. Un tir capté, retour et drôle de rebond. Fredette qui n'a pu capter cette rondelle. Cette rondelle qui est reprise, oui, par les Janois. On a donné un coup de bâton, on ne s'y verra pas de pénalité du côté des Dragons. Rondelle qui est près de la ligne bleue. Tommy Desblois, belle feinte, une autre, waouh! Quel manémène rondelle à part Desblois. Desblois, bien l'espace et trébuche, la passe pour son coup de pivillon, un tir frappé. Retour laissé devant le filet, récupéré par la défensive. On envoie du côté du numéro 17, qui en faisant du Charles Junot. Charles Junot qui, à la suite de dégagement, retraitera à son banc. Il va envoyer des sources fraîches du côté des Dragons. Côté toujours avec le disque. La passe interceptée par les Dragons. C'est repris par les Dragons. Belle fête. Fredette qui dégagera cette rondelle. C'était une belle fête de la part d'Antoine Julien. Malheureusement, sa disque était un peu trop loin devant lui. Les Dragons qui ont manqué notre chance encore une fois. Flageole avec le disque. Repris par le défenseur, le numéro 20, Marc-Alexandre Richard, oui, pardonnez-moi. Vignon. Envoie en fond de zone, c'est Richard qui récupère cette rondelle. Salim mise en échec. Derrière le filet, c'est repris par Antoine Darcy. Tenter la sortie de zone du côté des Dragons, ça mène en offensive. C'est Demers, toujours bien patient avec le disque, tente de chercher des options de passe. Envoie la défensive pour son coup de pied. Voyez par le disque, malheureusement, c'est repris derrière le filet par Dupuis. 1 minute 42 à faire à cette première période. On a accroché du côté des Dragons, on ne sera pas puni. Un tir de Darcy. Là, on a donné un coup de bâton, on n'appellera pas de pénalité. On vient défendre son gardien de but du côté des Janois. Je crois bien que c'est Darcy ou bien O'Grady qui a envoyé ce tir au filet. Enfin, un bon premier tir du côté des Janois avec près de 19 minutes d'écoulée. On reprendra à la gauche du gardien Fredette. Frenette, oui, pardonnez-moi. Un jeu rapporté par les Dragons. Disque repris par les Janois.
Bourvillard avec les disques. On la voit en faux territoire. C'est repris par Boudreau Miller. Récupère du côté des Dragons. Ça mène en 3 contre 2. Il faudra faire attention. Et là, il y a hors-jeu. C'est l'aide contact en zone territoire, en zone des Génois. Et là, on s'amène à toute vitesse du côté des Génois. Maltais, un tir capté. La mitaine, la part de Létourneau qui ne laissera aucun retour. On a annoncé la dernière minute de jeu à faire ici à au centre Mario Tremblay. Nous avons rapporté par les Dragons, on tente de dégager par la Bivetrie. C'est eux qui sortira, je crois, bien du territoire. L'arbitre, oui, qui a annoncé leur jeu. 52,6 secondes à faire. Les, comme je le répète, les Genoux qui mènent 4 à 0 pour ceux qui viennent d'arriver face aux Dragons du Collège La Flèche. On joue à l'extérieur du territoire des Dragons. Sénéchal de l'autre côté pour. On envoie directement sur Julien. Le tournoi qui laisse un retour et laissera le deuxième lancer qui reviendra à lui. Il jettera avec sa mitaine et il ne laissera aucun retour. Drôle de rebond, Julien Tourneau qui avait laissé un retour. Il n'a pas pu récupérer. On a joué mollement du côté des Dragons de la Flèche. Pour récupérer ce retour, on a plus de peur que de mal à cette fin de première période. Il a joué rapporté par les Dragons. Numéro 25, Vincent Deschaines qui récupère cette rondelle. Deschaines. On envoie du côté de Sénéchal, les Janot qui récupèrent, on envoie en fond de territoire. Repris par Berroir. Par la suite pour Thibault. On envoie en fond de territoire du côté des Janois. Il déchaîne avec le disque, laisse pour son coéquipier, le numéro 16, Berroir. On envoie en fond de territoire, derrière le filet, c'est Frenette. Laisse pour son coéquipier. On écoule les 10 dernières secondes. Peut-être le temps d'une dernière attaque du côté. Là, on a un solide contact. On n'aurait pas de pénalité. Et là, début d'escarmouche. On n'a pas apprécié la lourde mise en échec qu'on a subie du côté du joueur des Dragons. Et là, la première période qui se termine sur un score de 4 à 0 pour les Janois. On va pouvoir demander des explications du côté des Dragons. Je crois qu'on appellera une pénalité, oui. C'est à suivre ici pour la deuxième période. Mais avant de terminer, ce sera le sommaire de cette première période avec 2 minutes 20 en avantage numérique. Zachary Gagné qui inscrit son 11e filet de la saison, assisté de Vincent Dupuis et Félix Gauthier. Par la suite, 2 minutes plus tard, Tommy Delbois marque son 18e filet de la campagne, assisté de Zachary Gagné et Timon Sénéchal. Par la suite, encore une fois en avantage numérique, Olivier Talbot qui marque son premier et son deuxième filet, assisté de Simon Sénéchal, Félix Gauthier, par la suite Nathan Baltais et Thomas Baudreau-Miller. 4 à 0 pour les Janois après 20 minutes de jeu. Donc la deuxième période qui commencera dans une dizaine de minutes. On vous suivra pour le sommaire de la deuxième période.
Bonjour à tous et re-bienvenue à ce match qui oppose les Jeannois d'Alma aux Dragons du Collège de la Flèche, la deuxième période qui va débuter dans quelques instants. On vous rappelle le score si vous venez tout juste d'arriver. 4-0 pour les Jeannois. L'attaque des Jeannois est explosive en première période. Et là, on se retrouve avec un 2 minutes du côté des Dragons. Ce sera Zachary Thibault qui sera puni. Donc, on commencera encore l'avantage numérique, oui. En ce début de rencontre, on a décidé de renvoyer le gardien Gilina devant le filet. Décision qui peut surprendre, comme on le sait. La confiance est revenue du côté de Gilina. Il avait pas mal fait. Dire un peu anodin, entre autres. Il a décidé de renvoyer. Son entraîneur a décidé de renvoyer devant son filet. Je crois que c'est une bonne nouvelle pour lui et de son équipe. Il est reparti pour cette deuxième période. On laisse pour Dupuis. Dupuis de l'autre côté, un lob. Passe malheureusement trop haute. On va défensive pour Sénéchal. Pour Dupuis. Dupuis. Toujours avec la rondelle, oui. De l'autre côté pour Gauthier. Pour Sénéchal. On envoie pour Deblois. Pour Sénéchal, tu sais, frappé, retour. Il n'y a pas eu retour, malheureusement, je croyais bien. Tu sais, qu'il semble avoir dévié. Il s'est retrouvé derrière le filet. Dupuis, lancé frappé, dévié. Bien joué par la défensive. On a bien tenté de sortir du territoire, on n'a pas réussi. Et cette fois-ci, on réussit, on effectuera des changements. Beau jeu de la part de Kieran O'Grady pour sortir cette rondelle du territoire. La pression des Jeannois, la possibilité de 2 contre 1. Belle chance. On s'avance Dupuis, le tête de Blois. Et Gélina qui effectue l'arrêt. Une belle arrêt, on s'est amené en 3 contre 1 du côté des Jeannois. Deblois qui s'est amené presque seul face au gardien. Celui-ci a serré les jambières et la rondelle qui n'a pas passé. Avec 19 minutes à faire à cette deuxième période. 1 minute 01 à faire à cet avantage numérique du côté des Jeannois. On sonne en cognant la porte du côté des Jeannois. Il y a déjà une avance de 4-0. On va tenter d'accentuer sur notre avance et avoir un coussin encore plus confortable de celui qu'on a jusqu'à présent. Pris par la défensive. Les Jeannois laissent pour Nadeau par la bande. Passe malheureusement incomplète. Nadeau qui fait bien malgré ça pour empêcher ce dégagement. Celui-ci retournera en zone des Jeannois. Nadeau avec le disque. Perd celle-ci et la récupère. Un pas soulevé pour son coéquipier. De l'autre côté, on renvoie à Nadeau. C'est bien pour Bernard. Flageole avec le disque. Pour Bernard. Bernard coupe devant le filet. Bel arrêt de la part d'Étienne Gilina. Qui avait bien suivi le jeu. Belle fin de la part de Bernard. Et encore une fois, un autre arrêt de la part de Gilina. De son autre côté, de l'autre extrémité, Olivier Frenette qui a reçu quelques bons tirs en fin de période. On a été menaçant seulement en fin de période du côté des bons tirs. Du côté des Jeannois, des Cols Dragons, oui, pardonnez-moi. Olivier Frenette qui a bien fait jusqu'à présent. C'est pour Vigneault. Vigneault, fin de tir. C'est Denado, pardonnez-moi. Passe devant le filon, on tente de dévier. Disque qui récupéré par les Dragons. On tente de dégager avec 6 secondes à faire à cette pénalité. Nado. On passe pour Talbot. Talbot, c'est Flageole qui manque sa passe. Un lancer frappé de Larkin. Bel arrêt de la part de Tien Gilina. Pénalité qui prend fin à l'instant. Nous sommes de retour à 5 contre 5. Un lancer frappé puissant de la part de Larkin. Il y a plusieurs fois qu'il l'utilise depuis le début du match. Regardez Gina qui a bien suivi, qui a arrêté la rondelle avec sa mitaine. Mise en jeu à la gauche, coup de Gélina. On cherche le disque, c'est récupéré par Talbot. Non, Talbot, pardonnez-moi. Bata dans le coin. Regardez Gina qui laisse derrière son filet. On envoie pour le numéro 1, Marc-Alexandre Richard. Dupuis dégagera directement sur le banc. Un coéquipier qui a reçu sa disque directement sur la main. Donc, on va tenter d'atténuer la douleur par la suite. On ne veut pas blesser ses propres coéquipiers du côté des Jeannois avec à l'approche des séries qui s'en vient très bientôt. On va avoir tous les éléments possibles pour se rendre au bout. Un gros match aujourd'hui qu'on a ici. Un match chéri que je croyais qu'on allait avoir et l'écart qui commence à se creuser ici 4-0.
match entre la 5e position des Dragons et la 3e position, les Genois. On va espérer que les ayant un match plus excitant, on est content tout de même, mais les Dragons vont devoir monter du cran, d'un cran pour espérer revenir dans ce match. La flèche, les Dragons qui récupèrent la rondelle. On ne réussira pas à s'installer. Oui, heureusement, un disque qui a dévié. Je croyais bien qu'on réussira. On avoira la défensive du côté de Marc-Alexandre Richard. Celui-ci freine le disque dans les patins. On tente de récupérer du côté de Boudreau-Miller. On en va de l'autre côté. C'est récupéré par les Dragons. Darcy pour Richard. Longue passe, malheureusement manquée. Disque qui se retrouvera et qui sera un dégagement refusé. Cette passe qui est destinée à Boisvert. Thomas-Xavier Bonheur qui n'a pu capter cette rondelle. Et on se retrouve en dégagement refusé du côté des Genois. Les Dragons, oui, pardonnez-moi. On pourra effectuer le changement. 16 minutes 52 à faire à cette deuxième période, ce deuxième engagement. Donc, comme je le répète, après le quatrième but, on a remis... Le troisième but, oui, pardonnez-moi, on avait mis Julien Letourneau dans la mêlée. On avait envoyé celui-ci pour faire changer les troupes. Par la suite, un quatrième but marqué du côté des Genois. Et début de la deuxième période, on a décidé de renvoyer le gardien Étienne Gélina, qui fait très bien jusqu'à présent. Depuis le début de la deuxième période. On voit pour Darcy. Darcy perd le disque au main de Talbot. C'est repris derrière le filet par Luca Bélanger. On envoie par la bande et là on accroche, on a obstrué un peu. Quelque peu. Lando qui fait la longue passe pour Tremblay. Tremblay qui dégagera en fond de territoire. C'était bien Gabriel Tremblay. On se retrouve au sol du côté passe avec la main. Et je crois qu'on touchera ce disque du côté. On a touché avant du côté des Genoa pour empêcher cet arrêt de jeu. On récupère du côté de Marc-Antoine Robert. Robert qui passe le disque. C'est repris par les Genois. On évite la mise en échec du côté de Talbot. Talbot soulève le disque, le bâton de l'adversaire. C'est pour Nado. De l'autre côté pour Sénéchal. Sénéchal tire. Disque qui rate le filet de peu. On récupère du côté des Dragons. On va tenter de créer quelque chose. Malheureusement, on est incapable. Il faut avoir attention à un sixième patineur ici. Bien fait pour. On laisse pour Sénéchal de l'autre côté. Pour Nado. Nado passe soulevé. Pour Gauthier. Gauthier qui s'amène rapidement dans le coin. On récupère, on a tenté une passe à la défensive. Malheureusement, on a effectué des changements. Pas de vin qui n'a pu récupérer ce disque. On voit des sources à frage du côté des Dragons. On continue le pied sur l'accélérateur du côté des Genois. On envoie de nombreux tirs au filet et déjà un score de 4 à 0 après environ 25 minutes de jeu. O'Grady. On voit derrière le filet, c'est Frenette qui dégagera de lui-même pour son coéquipier. On n'a plus capté ce disque, c'est récupéré par les Genois. Par la chute par les Dragons qui touche à ce disque. O'Grady. Une feinte. Une passe du revers pour Julien. Julien qui dégagera en fond territoire. Ce disque qui touchera la baie vitrée. Récupéré par les Genois. Avec le disque, c'est Zachary Gagné, je crois bien. Tente la passe par la bande, interceptée par un joueur des Dragons. Tir pris à la défensive. Par le numéro 25, Vincent Deschênes. Deschênes, solide coup de bâton. On n'aura pas de pénalité. Montrer notre douleur. On a expérimenté notre douleur. Un tir retour et je pensais que c'était un tir anodin. Il a eu la misère à contrôler le gardien Frenette. Une chance de marquer du côté des Dragons. Disque qui se trouve dans les patins. Talbot qui récupère ce disque réussira à sortir du territoire. C'est une solide mise en échec. On envoie la défensive pour Deschênes. Deschênes qui tente la relance rapide. C'est repris par Doucet. Doucet en fond de territoire. Les Genoa qui récupèrent cette rondelle. On envoie une longue passe. Incomplète. Dégagera du côté de Deschênes, je crois bien. Les Genoa qui récupèrent aussitôt. On s'amène avec Bernard. Bernard, un tir. Malheureusement, manque les filets. Dupuis envoie devant le filet. Dupuis toujours avec le disque. Perd celui-ci. On voit un tir capté de la part Étienne Gélina qui effectue l'arrêt sur le tir de Vincent Dupuis. 13 minutes 17 à faire
à cette deuxième période. Score toujours de 4 à 0 pour les Janois d'Alma face aux Dragons du Collège La Flèche. On reprendra à la droite de Gélinas. Mise en jeu rapportée par les Dragons. On envoie derrière le filet. On laisse pour Boisvert. Récupéré à la défensive. Fusion un peu. Bien joué de la part de Chêne pour empêcher l'attaque des Janois. On s'amène à toute vitesse du côté des Dragons. C'est Deschênes, le défenseur qui se porte à l'attaque. La passe pour son coéquipier. Bien joué par la défensive. Le harpon qui fonctionne. On peut compléter la séquence du côté des Dragons. On tente la relance de l'autre côté. En fond de zone, et Alexandre Parent. Parent qui passe le disque. Malheureusement, c'est repris par Dupuis. Dupuis, du revers. Passe pour Robert qui capte avec sa main. On voit directement, on a tenté la... Non, on va envoyer cette rondelle en fond de zone. C'est récupéré par Dupuis. Puis pour Vigneault. Par la suite pour Talbot. Là, il y aura pénalité pour les Janois. Pénalité un peu d'indiscipline. J'ai pas vu la séquence ici. On sera chassé, oui, du côté des Janois. On sera en avantage numérique du côté des Dragons. Ce sera 2 minutes décernées à Samuel Vigneault. J'écouterai l'appel de l'ancien de la maison pour vous dire le détail de cette pénalité. Et ici, l'important, c'est les Dragons qui sont en avantage numérique. Mise en jeu remporté par les Dragons d'avoir la défensive. Disque un peu au soutien, récupéré par le numéro 27, Antoine Darcy. On envoie pour O'Grady, je crois bien. Darcy. Un tir bloqué par la défensive. Nadeau, je crois bien. Disque, on réussira à dégager. Il faudra faire attention à la poussée de Talbot. Pardonnez-moi, c'est flageur, je crois bien. Encore une fois, désolé, l'inconvénient, c'était Nathan Maltais. Pardonnez-moi, sincèrement. On écoutera la pénalité. Un bâton élevé décerné à Vigneault. On se retrouve en avantage numérique du côté des Dragons. Disque est emprisonné. On écoule des précieuses secondes du côté de Sénéchal. Rondelle à la défensive pour Darcy de l'autre côté. On s'avance. On manque enfin en l'air, malheureusement. On avait une belle chance de marquer. On s'amène en 2 contre 1. Possibilité de 2 contre 1. Tout à fait avec Maltais, je crois. Défenseur un tir. Et Gélinas, l'arbitre qui ne siffle pas. On va continuer le jeu. Une belle arrêt de la part de Gélinas. Garde les siens dans le match. On s'amène du côté de Charles Junot. Charles Junot contourne le défenseur. Toujours avec la rondelle. Belle protection de rondelle de la part de Junot. Junot qui laisse pour son coup de pied. On a autant le moment de filet. Bien joué de la part de Olivier Frenette qui étire son bâton, qui empêche cette passe et qui coupe cette passe, oui. Donc, annule une bonne chance de marquer du côté des Dragons. On s'amène du côté de Deschênes. On a un coup de bâton, on n'appellera pas de pénalité. 25 secondes à faire à la punition, oui. Décernée à Vigneault. À la défensive, c'est Deschênes. De l'autre côté, on tente la déviation. Retour et on a enfant de l'air encore une fois du côté des Dragons. On réussira le dégagement. Gélinas qui récupère derrière son filet. C'est récupéré par Vincent Deschênes. Pénalité qui prend fin à l'instant. Nous sommes de retour à 5 joueurs de chaque côté. Revirement là. Tremblay qui bataille avec. On tente de pousser du côté du numéro 10. Zachary Thibault. Qui fait lourdement. Et les deux ont maille à partir. Coup de bâton. Il y aura pénalité aux Janois. Là, c'est un beau jeu de la part de Thibault. Provoque une autre pénalité aux Janois. Ce sera Côté qui sera puni. Mathis Côté. Je crois bien, oui, tout à fait. Il sera puni pour coup de bâton. Les deux qui avaient maille à partir. Alors, on a provoqué pénalité du côté des Janois. On se retrouve en avantage numérique. Encore une fois, en l'espace de quelques minutes, une deuxième fois en quelques minutes du côté des Dragons. Le
Changement de centre ici. C'est le contact, on envoie la défensive, un tir bloqué par la défensive, un autre tir malheureusement trop haut. La rondelle de la flèche qui... La rondelle qui sortira du territoire, c'est Darcy avec la rondelle. Laisse pour son coéquipier. On renvoie à Darcy, belle fin de Darcy. Petit lob pour... On évitera la pénalité ici. Coup de bâton décerné, c'est non bâton levé. Pardonnez-moi. On rentre en zone du côté d'O'Grady. O'Grady Friend cherche les options de passe. On envoie pour le numéro 28, Marek Doucet. Tente la passe pour Darcy. Darcy. Un tir bloqué par le gardien Olivier Frenette qui ne laisse aucun retour. Enjeu à la gauche d'Olivier Frenette. 1 minute 10 à faire à la pénalité décernée à Mathis Côté. 9 minutes à faire à cette deuxième période. Un tir, ça manque les filets du côté des Dragons. Ça provenait, je crois bien, du bâton de Robert. On laisse pour le numéro 17, Charles Junot. Intercepté par le Genoa qui dégagera en fond de zone. C'est Deschaine avec le disque qui rentre en zone adverse à la défenseur qui se porte à l'attaque. Tente une poursuite devant le filet. Intercepté par le Genoa. Charles Prudette. Prudette qui envoie en fond de zone derrière son filet. Bataille à 4 joueurs, même 5. Dégagera par la bande, c'est récupéré par Prudette. Pour Deschaine. Passe interceptée, coupée. Reprise par les Genois. On évite le dégagement. On garde en zone avec 9 secondes à faire à cette pénalité. On va envoyer ce disque devant le filet. Un tir est dévié. C'est une rondelle qui se trouve entre les jambières de Olivier Frenette. Donc l'arrêt de jeu qui se fait entendre ici. Une seconde à faire à la pénalité. Avec 7 minutes 54 à faire à ce deuxième engagement. On est rendu à la mi-match ici au centre Mario Tremblay. Pénalité qui prend fin à l'instant. La fantation à la sortie du banc des pénalités du joueur des Genois. C'était Gagné. Gagné qui a changé, qui a pris la place du joueur au banc des pénalités. Là, on s'amène à vitesse. C'était bien Alexis Berroir. Il s'est amené à toute vitesse, oui. Malheureusement, il n'a pu compléter la séquence. Solide contact, les joueurs des Genois qui apprécient. Une solide mise en échec de la part... des Dragons. Le match qui est en haute intensité, la possibilité de 2 contre 1. Une passe d'autre extrémité, un tir. Malheureusement, c'était pour Deblois. Le filet qui sort de ses amorces suite à une poussée du gardien. Quelle chance ratée de la part de Tommy Deblois ici. Une belle passe soulevée de son coup de pied. Je crois que c'est Gauthier. Exactement. Gauthier pour Deblois, malheureusement. Un tir qui a raté le filet. Une grosse chance manquée du côté des Genois. On reprendra à la gauche de Étienne Gélina. Mise en jeu rapportée par les Genois, récupérée aussitôt par les Dragons. On s'amène l'harpon qui fonctionne. On a tenté d'envoyer en fond de zone, c'est récupéré. C'est sur le bâton soulevé. Il y en a qui dégageront cette rondelle. On passe de Richard, son coéquipier. On a pris ici. Grosse mise en échec qui sont données depuis quelques instants. Les deux équipes au banc qui apprécient.
mise en jeu à l'entrée du territoire des Genois. Talbot laisse pour Sénéchal. On renvoie à Talbot. On va se tenter de s'installer du côté des Dragons. On a mené un bon tir au filet. Voilà qui est fait. Un bon tir. Je pense qu'on a tenté la déviation. Pas réussi du côté des Dragons. Frenette qui effectue l'arrêt. Tir est là, oh! On a passé bien près de déjouer le gardien Frenette qui a été un peu surpris par ce tir. La part du numéro 17, Charles Junot, du cercle des mises en jeu. On s'amène à toute vitesse du côté des Genois. Talbot tente la passe. Le disque se trouve devant le filet. Arrêté par le gardien Gilles et le début de Scarmouche. Les esprits qui s'échauffent ici entre les deux formations. Je crois pas qu'il y aura, oui, tout à fait, il y aura pénalité, je crois bien, aux Janois. On nous indiscipline depuis quelques instants, c'est Flajol, Olivier Flajol, qui sera puni pour 2 minutes, je crois, pour... On écoutera dans l'ensemble maison pour savoir la raison exacte, oui. Les Janois, les Dragons, oui, qui doivent marquer, là, avec un retard de 4 filets. Il n'y a rien qui fonctionne jusqu'à présent, on n'a pas de tir menaçant, vraiment. C'est une chance en or d'inscrire leur équipe à la marque et d'avoir un peu de momentum. Junot, un tir dévié, bloqué par la défensive. Une belle feinte du joueur. Tirez le but! Et voilà, le but qui est marqué par le numéro 10, Zachary Thibault. Un tir dévié par la chute récupéré par le joueur des Dragons. Avec bien du temps, il a envoyé un beau tir dans le haut du filet. Et voilà que les Dragons qui s'inscrivent à la marque ici avec 6 minutes 13. L'avantage numérique qui n'a pas été long. Du côté des Dragons, on en a profité rapidement. Un gros but du côté des Dragons alors que rien ne fonctionnait vraiment. On marque un gros but ici, 4 à 1 avec 6 minutes 13 à faire à cette deuxième période. Danger remporté pour Larkin. On va voir c'est qui les assistants, je vous le dirai par la suite. C'est bien Zachary Thibault qui a inscrit son équipe à la marque pour une première fois cet après-midi du côté des Dragons. On écoutera le filet. Charles Junot qui récupère l'assistance avec le but de Thibault. C'est récupéré par Boudreau Miller. Rodel qui sortira du territoire. Il faut le faire attention avec Mathilde Dufault qui s'amène à toute vitesse. Mathilde Dufault, belle feinte. Beau jeu défensif, la part du numéro 16, Alexis Berroir, si je prononce bien. Empêcher cette attaque du côté de Mathilde Dufour. J'ai un qui récupère ce disque, c'est pour Potvin. Longue passe, on n'a pas touché. Poussé de la part de Potvin, le défenseur. Derrière les filets. Le disque qui se trouve devant le filet et regardez qui mettra la main sur ce disque. Gina qui vient de sauver les mêmes encore une fois. Et un peu de confusion entre les joueurs et les joueurs, oui. Rodek s'est retrouvé devant le filet. Une belle chance ratée de la part des Janois. Les Dragons qui montent un peu plus de cran depuis le filet. Les instants auparavant. Les enjeux à la gauche de Gina. Dégagement par la bande, bataille à 4 dans le coin près de la rampe. C'est récupéré par Alexandre Parent. Parent qui en fond de zone pour son coéquipier le numéro 15, Émile Girard. Nado pour les gens qui récupèrent ce disque. Ça mène du côté de Sénéchal, le défenseur qui se porte à l'attaque. Sénéchal, long tir dévié, bloqué. La rotation au retour. Mauvaise passe, c'était pour Deschaines. Talbot avec le disque. Talbot de l'autre côté pour Sénéchal. Sénéchal tire. Bloqué par le gardien Tenginia qui ne laisse aucun retour. Belle séquence ici du côté des Janois. Ça amène du côté de Mathilde Dufour. Un contre un. Beau jeu défensif de la part de Berroir. Par la suite, on a amené des bons tirs au filet. Un long tir. La défensive captée par le gardien qui ne laisse aucun retour.
Milano qui récupère cette rondelle derrière le filet en envoie d'envoyer devant le filet. Bel arrêt de la part de Tim Gina. C'est une belle séquence encore une fois du côté des Genois. On se repère bien sur la patinoire. Une passe un peu de dos. La part de Delbois, je crois, bien pour gagner. Gagner qui est l'auteur du premier filet de la rencontre ici pour les Genois. Donc, récupère ce disque, ma voix pour Talbot. Tir bloqué par la défensive. Ça a touché une jambière protectrice. Gagné qui tente de couper devant le filet. Tir bloqué par le gardien Gélina. Et on voulait souhaiter la bienvenue à Noémie Lamoureux qui écrit dans les commentaires, le commentateur et quelques mots. Je vous souhaite la bienvenue sur le direct sur Internet. On espère qu'à la maison, vous assistez à une bonne rencontre ici. Les Genois qui mènent 4 à 1 avec 3 minutes 55 à faire à cette deuxième période. Toby Desbois tombe, toujours avec la rondelle. Malheureusement, perd celle-ci aux mains, au profit, oui, de Marc-Alexandre Richard. Richard pousse pour lui-même, solide mise en échec. La part de Marc-Alexandre Richard et là, confusion. Fredette qui perd la rondelle, heureusement, plus de peur que de mal. On va se garder la rondelle du côté des Genois. On va en fausse zone du côté de Zachary Gagné. Pousse. Le professeur Richard qui est revenu à sa position. On voit la défensive, c'est un tir bloqué, je crois, pas bien par la défensive. Bernard avec le disque. On récupère du côté des Dragons. Du côté de Thibault. L'auteur du premier filet dégagera un simple revers en fond de territoire. Repris par Potvin. Potvin à toute vitesse. Passe interceptée par Deschênes. Pour Darcy, je crois bien. On renvoie Deschênes. Deschênes laisse pour O'Grady qui dégagera en fond de territoire. On laisse pour Flajol. Bernard qui s'amène à toute vitesse. Se fait accrocher quelque peu. Tombe et il n'y aura pas de pénalité. Je crois bien que c'est Flajol ou Talbot. Talbot, oui, avec le disque. Malheureusement, mauvaise passe. Larkin qui ne peut récupérer ses disques en territoire offensif. Repris par Talbot. On tente un lob. Une passe soulevée, pardonnez-moi. Gina derrière le filet qui garde cette rondelle. La passe pour son coéquipier Deschênes qui tente bien de dégager, c'est fait. L'enjeu repris par Félix Lemoine, si je prononce bien. Un tir directement sur le gardien Frenette qui ne laisse aucun retour ici. 2 minutes 08 à faire à cette deuxième période. Le score qui est de 4 à 1. Les Dragons qui se sont inscrits à la marque il y a quelques instants. C'est le but de la période jusqu'à présent ici. Zachary Thibault, l'auteur de ce filet du côté des Dragons. On déposera la rondelle à la droite du gardien Frenette. L'enjeu rapporté par les Dragons. Il y aura pénalité pour les Dragons. On se retrouvera en avantage numérique. Le gardien qui rentre au banc à profit d'un sixième patineur. Mathilde Dufour avec le disque. Pour Bernard. Pour Sénéchal. Sénéchal. Simon Sénéchal, le grand défenseur. Regarde ses options de passe. Toujours une pénalité à retardement, comme je l'ai mentionné. On a 6 patineurs du côté des Genois. À la suite du retrait du gardien. Bernard. Gauthier, pardonnez-moi. Laisse pour trembler. On touchera à 7-10 du côté des Dragons. Et l'avantage numérique qui débutera sous peu du côté des Genois. On a marqué un peu plus tôt à l'avantage d'un homme ici. Avec l'avantage d'un homme en première période. Du côté des Dragons, on va tenter de que les cordes ne se creusent pas encore une fois. On a marqué un peu plus tôt. Mise en jeu à la droite des Gélina. Tommy Desbois au cercle des mises en jeu qui remporte celle-ci. Laisse pour Gauthier. Gauthier cherche ses jeux de fond de passe, oui. Sénéchal, il semble avoir un problème devant le filet. Un joueur qui a été atteint au visage, mais on n'appellera pas de pénalité. Laisse pour Dupuis. Dupuis
laisse pour Sénéchal. On retourne à Dupuis. Dupuis perd ce disque. On tente, on... Dernière minute qui se fait entendre ici, on pousse le joueur des Genois. Sénéchal qui a presque tombé sur la séquence. Bien joué, beau jeu de la part de garder sur ses patins. On rentre dans la verte du côté de Dupuis. Dupuis laisse Gauthier à la défensive pour Sénéchal. Laisse pour Tommy Desblois. Tommy Desblois renvoie derrière lui pour Sénéchal. Desblois. Sénéchal avec le disque renvoie pour Desblois. On tente le jeu parfait ici. Passe parfaite. Gauthier. Dégagement qui sortira du territoire. Mauvaise communication entre les joueurs. Et là, on va effectuer des changements. C'est un mauvais changement. On s'amène à toute vitesse du côté de Talbot. Là, c'est pour se coquiller un tir et une belle arrêt de la part d'Étienne Gina. Mauvais changement qui aurait pu faire coûter un filet, oui, ici. Pour les Dragons. Par exemple, le gardien Étienne Gina qui a effectué l'arrêt. Garde les ciels dans le match malgré le score de la différence de 3 buts ici. Avec 15,3 secondes à faire à cette deuxième période. 47 secondes à l'avantage numérique. Donc, à moins d'un filet dans les 10 prochaines secondes, on retournera à l'avantage numérique. Un tir frappé de Larkin, encore une fois, il l'utilise à profusion. Bel arrêt de la part de Gina qui a bien suivi la rondelle. Comme je l'ai mentionné, on débutera l'avantage numérique à moins d'un filet dans les 10 dernières secondes du côté des Genois. Un envisageur, c'est Bernard. Je crois bien du côté. Oui, tout à fait. Mélangeur rapporté par Bernard. Repris par Talbot. Peut-être le temps d'un dernier tir pour Larkin. On manque les filets. Retour et l'arrêt de Gilina. Le début d'escarmouche ici. Alors, score qui est de 4-1 après 40 minutes de jeu. Les Genoa qui débuteront avec 31 secondes d'avantage numérique lors du troisième engagement. Donc, avec le sommet de la période en avantage numérique avec 13-47, Zachary Thibault qui marque son 7e filet de la campagne, assisté de Charles Junot. Donc, la troisième période qui débutera dans une dizaine de minutes. On revient pour une troisième période qui va sembler excitante avec le score de 4-1 pour les Genois après 40 minutes de jeu.
Thank you.
Rebienvenue à cette web diffusion du match que posent les Janois d'Alma. Oh, Dragon oui, du collège, la flèche. Donc, la troisième période qui va débuter dans quelques instants, comme je l'ai mentionné. On débutera en avantage numérique pendant 31 secondes du côté des Janois. Vous êtes accompagné de Zachary Desrosiers, oui, pour l'analyse et le commentaire de ce match. Deuxième période qui était un peu différente de la première période. La première période qui a été dominée par les Janois, 4 filets en l'espace de 20 minutes. Puis par la suite, les Dragons ont inscrit leur premier filet de la rencontre en milieu de période. Par la suite, les deux gardiens qui se sont signalés à plusieurs reprises. Et voilà que la mise en jeu est tombée pour la troisième période de ce match. C'est Dupuis qui amène à toute vitesse. Laisse de l'autre côté pour Deblois. Belle fin de Deblois. Deblois tire. Bel arrêt de la part d'Étienne Gélina. Messieurs, sur le contact du côté des Dragons. Sénéchal de l'autre côté pour Deblois. Deblois tire. Ça manque les filets. Pénalité qui prend fin dans quelques secondes. Une belle fin de la part de Voyer, je crois bien. On sortira. Et le joueur qui essaie du banc des pénalités rentre en zone adverse. Un tir retour et oh, ça passait bien près. Le retour laissé par Frenette. C'est repris par la défensive. Deschênes, je crois bien. Oui, tout à fait. L'Ob va fondre en fond de zone. L'Ob la rondelle en fond de zone. Et c'est récupéré par Simon Sénéchal. Simon Sénéchal prend mis son tas derrière son filet. Petite feinte reste. Tenter la meilleure option disponible de passe. Là, je crois que c'est Mignot. Dégagé. C'est repris par Deschênes. C'est la passe interceptée par Bernard. Reprise aussitôt par le joueur des Dragons. Deschênes qui envoie en fond de territoire. Déjà une bonne première chance de marquer du côté des Dragons. De même pour les Janois en ce début de période. Une rondelle interceptée. Oui, par Zachary Gagné. Zachary Gagné. Gagné. Laisse pour Bernard. Bernard tire malheureusement qui n'atteint pas le filet. C'est repris par Bernard. On va pour Gagné. Bernard derrière le filet. Laisse pour Zachary Gagné. À la défensive. Un tir de pas de 20. Je pense que le gardien qui a été surpris sur ce tir. Gélina qui a effectué l'arrêt par la suite. Heureusement. Tir dévié. Deschênes qui récupère ça, c'est la passe coup derrière lui pour son coéquipier Darcy, je crois bien. On va le temps que la longue passe. Par la bande. Poussé plus loin pour Parent. Parent en premier sur le disque, repris par Dupuis. Deblois. On joue bien, on intercepte le disque. Il y aura de pénalité au Dragon. Et dès qu'on touchera à cette rondelle, ça c'est une mauvaise pénalité. On sera puni pour coup de bâton ici. Avec 17 minutes 34 à faire à cette troisième période. Les Janois qui mènent 4 à 1 ici dans l'avantage de ce match. Dragons qui ont encore beaucoup de chemin à faire pour espérer créer l'égalité. Mise en jeu à la droite d'Étienne Gélina. Remporté par le collège La Flèche. À la défensive pour Dupuis. Dupuis s'amène. Tente une passe devant le filet. Intercepté par le joueur du Dragon. Des Dragons, oui. C'est probable qu'il se rendra jusqu'au gardien Frenette. Il laisse derrière lui pour Sénéchal. Simon Sénéchal. Laisse. Derrière lui pour son coéquipier. C'est repris par Dupuis. Dupuis évite le joueur. Dégage par la bande, par la rampe. Directement sur Deblois. Qui laisse pour Dupuis. Dupuis tire. Malheureusement, celui est trop haut. Beau jeu pour Deblois pour garder cette rondelle en zone offensive dans la zone des Dragons. Deblois prend bien son temps. Passe soulevée pour Sénéchal. Laisse pour Dupuis. Pour Deblois. Quatre gauchers utilisés lors de cet avantage numérique, oui. Dégagement qui sera réussi du côté des Dragons. On va effectuer des changements. Première vague d'avantage numérique qui a très bien fait celle-ci la première. Des changements du côté des Genoux, on prend bien notre temps avec
48 secondes à faire à cet avantage numérique. Repris par Gagné. Zachary Gagné freine. Regarde ses options de passe. Thibault qui a été puni. Là, un long retour. Bel arrêt. Encore une fois, Larkin qui utilise son lancer frappé à plusieurs reprises. Tous arrêtés par le gardien Gélina. Nado laisse pour Flajol. De l'autre côté pour Larkin. Larkin toujours avec le disque pour Flajol. Tente un tir devant le filet. Ce qui n'atteint pas le filet. Larkin. On va derrière le filet, mais heureusement, il n'y a personne. Il réussira en temps de bien dégager. Bloqué par la défensive et on touche le disque. Nado qui passe celui-ci. Pénalty qui prend fin à l'instant. Nado du côté des Janois qui envoie cette rondelle en fond de territoire. Petite passe par la bande. On envoie une passe un peu trop loin du côté des Dragons. Cette passe qui était pour Demers. Gélina derrière son filet. C'est repris par Demers. Demers qui s'amène rapidement. Laisse derrière lui pour son coéquipier. Un tir capté facilement par la mitaine. Ça provenait du bâton de Julien. Arrêt facile pour le gardien Edwy Frenette. 15 minutes 07 à faire à cette troisième et ultime période de ce match ici cet après-midi au centre Mario Tremblay. 4-1 le score pour les Janois. Julien qui ne peut récupérer ce disque, on l'envoie derrière le filet. Pour le numéro 20, Marc-Alexandre Richard, oui. Non, c'est le 28, pardonnez-moi, Marek Doucet. Richard qui a utilisé la défense ici par son entraîneur. Derrière les filets, c'est Vigneault. Il passe un peu haute, intercepté par la défensive des Dragons. Demers qui peut capter ce disque, c'est, on s'amène avec Talbot. Deschaine, feinte. Réussit à sortir ce territoire, la rondelle du territoire, oui. Malheureusement, elle touche un patin. Une pièce d'équipement, et celle-ci retourne en territoire des Dragons. On accroche quelque peu. On s'amène à l'offensive du côté des Dragons. Et là, il y a hors-jeu retardement, oui. On a rentré un peu avant le porteur de rondelle. Défenseur qui s'amène à l'offensive et une belle feinte. On a du bâton de Marc-Alexandre Richard, celui-ci. On a chuté un joueur des Janois qui a chuté. Oui, c'est pas de vin. Pas de vin qui récupère sa disque et la possibilité d'échapper. On s'amène à toute vitesse. Gardien qui sort de son filet. Beau jeu de la part de Olivier Frenette pour empêcher cette échappée. Il est sorti rapidement de son filet. Le joueur des Dragons qui s'amenait à grande vitesse. Ça, les mises en échec de dos de la part. Je crois bien que c'est le numéro 17. Dumais. Junot, vous pardonnez-moi. Un long tir arrêté facilement par le bâton d'Olivier Frenette. Le gardien des Janots, oui, qui ne laissera aucun retour. Solide contact de la part des Dragons. Qui imposent leur physique jusqu'à présent. Mise en jeu à la gauche du gardien Olivier Frenette. Nado de l'autre côté pour on tente la longue passe. C'est bien fait, récupéré par Delbois. Malheureusement, Deschaine récupère celle-ci. Delbois tente une passe devant le filet. Deschaine lui enlève le disque. Lui récupère le disque, oui, pardonnez-moi. On s'amène en contre-attaque du côté des Dragons. C'est bien le numéro 13 de Bélanger par cette rondelle, malheureusement. C'est repris par Gagné. Gagné pousse un peu plus loin. Gagné. Pas beaucoup d'angle. Un tir qui semble avoir touché l'extérieur du filet et qui se trouve sur le filet protecteur ici au centre Mario Tremblay. 12 minutes 46 à faire à cette troisième période. 4-1 le score. L'attaque commence à se faire court du côté des Dragons, mais rien n'est impossible ici. Les Dragons qui sont quand même 16 victoires, 11 défaites et une défaite en prolongation. On sait qu'il est une très bonne équipe face aux Janois cet après-midi.
Drago qui récupère la rondelle. On a eu un contact, on n'appellera pas de pénalité. On manie bien la rondelle du côté de Charles Junot. Junot toujours avec le disque. Tente un tir devant le filet. Bloqué par Frenette. Je pense c'est bien, oui, à la défensive. Pour Voyer. De l'autre côté pour Deschaine. Un tir bloqué. On renvoie pour Voyer. Un tir encore une fois bloqué. Unité défensive du côté les joueurs des Janois qui sacrifient pour empêcher des tirs au filet. On rentre en zone adverse du côté des Dragons. C'est Boisvert qui pousse plus loin. Récupéré par le numéro 16, Alexis Berroir, le défenseur. On s'amène rapidement du côté de Talbot. Talbot. On entre en zone. Belle feinte de Talbot. Faire cracher quelque peu. Retour et en chutant, envoyer un tir au filet. Je crois que c'est dire qu'il n'a pas atteint la cible. Belle pièce de jeu de la part de Louis Talbot. On vécu des changements. On pousse en fond de territoire. La foule qui respecte, je ne sais pas pourquoi. Je crois qu'il y avait 6 joueurs sur la patinoire. Flageol qui reçoit une passe et qui dégagera. Celui-ci retournera à battre son équipe. On se fait soutirer la rondelle en près des hauts du haut des cercles, oui. C'est Deschamps qui récupère la rondelle, le disque. On retourne à Deschamps. Passe est acceptée par Gagné. Gagné qui pousse en fond de zone. Gina qui s'interpose. Deschamps, le défenseur. Reçoit une passe pour son coéquipier. Passe qui était destinée au numéro 11, Antoine Julien. On n'a pas pu capter cette passe reçue de la part de son défenseur. On s'amène du côté des Janois. Un tir qui n'atteint pas le filet. C'est Julien. On va de l'autre côté. Récupéré par Pelvin qui lui envoie derrière le filet. Gagné. Pousse pour son coéquipier. En fond de territoire, c'est repris par Larkin. La rondelle qui est reprise par Larkin. Larkin toujours pour gagner. Gagner passe pour Poitvin. Pour Larkin, tir bloqué facilement par le gardien Hubert Gilna. Hubert, ou pardonnez-moi, Étienne Gilna, désolé. Je m'en excuse. Un lob intercepté par les Janois. Disque qui dégagera en fond de territoire, qui sera un dégagement accepté par les officiels. On récupère par le bâton de Charles Proudette. Proudette laisse derrière lui pour Darcy. On s'amène du côté des Dragons. Coupe devant le filet. Tir qui est à l'extérieur du filet. Les Janois qui. On va faire un lob ici. On récupère du côté des Dragons. On dégage. En fond de territoire, le gardien qui s'interpose, Frenette, on va par la bande. Gino qui récupère cette rondelle, Alma, avec le disque Boudreau-Miller, une belle feinte. On voit ce disque devant le filet. Personne pour récupérer celui-ci. Mathieu Dufour, beau pivot pour éviter la mise en échec. Un tir, un bel arrêt de la part de Gélina, je crois bien. Je suis à ce disque. Moins de 9 minutes à faire à cette troisième période. Il faut le faire attention. C'est le numéro 16 qui récupère cette rondelle, Berroir. Intercepté. Disque repris par les Janois, puis aussitôt par les Dragons. C'est Thomas Boudreau-Miller qui s'interpose pour récupérer cette rondelle. Beau plongeon de la part du numéro 10, Zachary Thibault, l'auteur du filet de son équipe pour sortir la rondelle et effectuer des changements. Pas bien état du côté des Janois. Alma qui tente la longue passe. Disque qui se retrouve directement sur le filet protecteur. On reprendra près de oui, la ligne bleue des Janois. Le jeu rapporté par les Dragons. Dupuis avec le disque. On voit derrière lui pour Vigneault. C'est une passe pour Mathiel Dufault, je crois le nom de Blois.
Belle percée de la part de Zachary Gagné pour empêcher ce dégagement qui allait être refusé par la suite. Gauthier, un tir. On cherche la rondelle. Le tir qui était trop haut. Donc, l'arrêt de jeu qui se fait entendre ici au Centre Mario Tremblay. 7 minutes 51 à faire à cette troisième période. Le score qui est de 4 à 1 pour les locaux. Les Genois qui mènent par 3 buts avec moins de 10 minutes à faire en troisième période. Vont-ils s'accrocher à cette avance? C'est à suivre ici sur la boîte de diffusion de cette partie. Un jeu qui est remporté par les Janois. Certains pause côté de Boisvert. Boisvert toujours avec la rondelle. Prend bien son temps. Cherche la meilleure option de passe pour son coéquipier Deschaine. Deschaine s'amène rapidement en zone adverse. Laisse derrière lui. Passe interceptée par Talbot. Talbot pour Flajol. Guillaume en fond de territoire, repris derrière les filets par Gilna. Gilna d'un revers, dégagera, poussera pour son coéquipier. Gilna qui récupère cette rondelle. Elle se trouve directement sur la palette de Proudette. Les deux gardiens qui sortent à profusion depuis quelques instants. On tente d'envoyer des rondelles en fond de territoire. Ça va intercepter encore une fois par le joueur des... du collège La Flèche. C'est bien Félix Demers, si je prononce bien. Là, un tir directement qui atteint le soigneur au banc des Janois. C'est 6 minutes 41 à faire à cette troisième période. Prendra à la droite du gardien. Frenette. Dégagement par la bande qui sortira du territoire. Ça vient rapidement du côté des Genois. C'est Desblois. Desblois, premier son temps, tir bloqué dans l'abdomen par le gardien Gélina. Classement ici qu'on voit très serré, les Genois qui sont troisième à seulement un seul point de la deuxième position. Avec une victoire cet après-midi, ils se hisseront au deuxième rang, juste derrière les Cougars du collège Champlain qui ont 45 points, 40 présentement pour les Janois. 33 pour le collège La Flèche qui n'est pas bien loin derrière. 7 points séparent les deux équipes. Score qui est de 4 à 1 ici avec 6 minutes 11 à faire en troisième période. Une lourde chute du côté d'un joueur du collège, un disque envoyé devant le filet, bloqué facilement par le gardien. Gina qui récupère la rondelle avec sa mitaine. Mise en jeu à la droite de Gélina. Sénéchal envoie en fond de territoire pour Mathiel Dufour. Dufour toujours avec le disque, tente le tourniquet. Ça n'a pas marché. Bataille à 4 derrière le filet de Gélina. Les rangons qui sortira avec le disque. On pousse plus loin pour Junot. Passe devant le filet, un tir bloqué par la défensive de Sylvain Mathiel Dufour. Sénéchal envoie par la bande. Et c'est 10 qui se retrouvera. Début d'escarmouche à votre Sénéchal. Quelques coups de poing lancés. On n'a pas apprécié du côté de Mathiel Dufour qui vient porter à la défense de son coéquipier. Est-ce qu'on sera puni? Exactement, oui, j'avais bien raison. Je crois qu'on verra aussi le joueur des Genois. Les arbitres discutent de la décision. Pascal Hudon, l'entraîneur-chef, qui demande des explications.
Alors, au tableau indicateur, il est affiché que pénalité au Dragon, asséné à Alexis Berroir. Je sais pas, je crois qu'on sera puni. Tout à fait, oui. Simon Sénéchal qui se dirige au bas des pénalités lui aussi. Donc, c'est à suivre si on jouera à 4 joueurs ou 5 joueurs de chaque côté. Est-ce que c'est la même pénalité pour les deux? Je crois bien que oui. Les deux qui se sont envoyés quelques coups de poing à la suite de l'arrêt de jeu. Je crois que c'est une pénalité double du côté. Oui, tout à fait. On envoie le numéro 17, Charles Junot, au bas des pénalités. Et donc, ce sera avantage numérique pour les Genois. Bravo qui récupère cette rondelle. On envoie un long dégagement directement au gardien. C'est repris par Dupuis. On dégage en fond de territoire. Moins de 5 minutes à faire à ce match ici à Alma. Dupuis laisse pour Nadeau. Non, tire, retour et beau jeu de la part des Dragons pour empêcher un joueur des Genois de toucher à ce retour. On envoie la défensive pour Nadeau. Pour Desblois. Passe soulevée pour Dupuis. Dupuis tire. On a tenté la passe, tire-passe devant le filet. On n'a pas pu compléter du côté des Genois. Dupuis. On va de l'autre côté pour de l'autre extrémité pour Desblois. Talbot tire et le but. Je crois que c'est un tour du chapeau pour Olivier Talbot. Il est bien posté devant le filet. Et bol gardé Gélina en avantage numérique de bon tir du bloqueur, du côté du bloqueur. Et je crois bien que c'est son troisième filet du match du côté. Ça suit ici, je vais voir les résumés de la période. Et fait Talbot, et oui, on vient de m'en laisser son 10, 11e et 12e filet de la campagne. Tour du chapeau pour Olivier Talbot cet après-midi face aux Dragons. Le caméraman ici qui va pitcher, envoyer sa rondelle, sa calotte sur la patinoire pour célébrer. 5-1 maintenant le score pour les Genois qui marquent un avantage numérique. Un but qui va faire mal ici pour le collège de la Flèche. En fond de territoire, dégagement qui sera accepté par les officiels. C'est pas de 20. Pas de 20 par la bande. Pas de la sortie de zone, c'est Flageol. Intercepté par les Dragons. Passe devant le filet. Récupéré par les Genois. On envoie devant le filet. C'est débloqué par le gardien Frenette. Frenette qui n'a pas eu beaucoup de tirs menaçants depuis le début du match. Je peux le compter sur mes doigts. Et les Dragons qui n'ont pas été dans le coup jusqu'à présent. À moins que le but de Thibault a été un peu une source d'espoir. C'est pas un bon match côté des Dragons. On va vouloir se reprendre lors de la prochaine fin de semaine. Eux qui sont au cinquième rang du classement général. Bonne formation du côté du collège La Flèche. 3 minutes 36 à faire. Un tir à la défensive de Larkin. Récupéré par Flageol. Larkin, un autre tir bloqué. On vient d'entendre l'annonceur maison qui rend la nouvelle officielle. Olivier Talbot qui marque son tour du chapeau face au Dragon. Là, un tir du défenseur. Je crois qu'il y aura pénalité au moins que le filet. L'arbitre qui a levé les deux bras. Je crois qu'il y a un joueur qui a plus l'âme ici. À moins de... Ah oui, tout à fait, il n'y a plus l'âme. Quelque chose qu'on voit pas souvent. C'est bien... Émile Girard, qui est de peine et misère, rentre au banc d'une seule jambe, puisqu'il le bout de sa lame n'est plus là. Mise en jeu à l'extérieur du territoire des Genois. Merci d'être des nôtres ici sur la web diffusion sur YouTube. Je souhaite que vous avez passé une bonne partie jusqu'à la fin de celle-ci. Un agréable moment et un bon dimanche après-midi. Talbot. Talbot qui
Olivier Larondelle veut certainement marquer son quatrième filet du match ici. Dupuis qui avance son territoire pour Tremblay. Pour Talbot. Talbot toujours avec le disque. Belle fin de Talbot. Talbot pour son coéquipier. Deux tirs bloqués. De l'arrêt de la part de Gina, deux fois coup sur coup. Dupuis, avec 2 minutes 37 à faire à cette rencontre. Maintenant, le score qui est de 5 à 1. Gino qui a racheté un autre filet en troisième période. Un cinquième filet. Après avoir marqué 4 fois en première période. Belle fin de la part du joueur des Dragons. Coupe devant le filet. On cherche le disque, toujours libre. Bel arrêt, je crois bien. On n'a plus de bâton du côté de Frenette. Il récupère celui-ci. Tente bien de récupérer son bâton. Et voilà, c'est fait. Bataille derrière le filet du gardien numéro 35. Et là, il y aura pénalité. On joue de frustration. Et là, on n'est pas content du côté. On n'est pas content du côté du numéro 28, Marek Doucet. Pénalité, je crois, pour avoir fait trébucher. Avec 1 minute 59 à faire. À moins d'un but, les Genoux qui seront en avantage numérique pour le restant de la partie. On sent la frustration monter du côté des Dragons depuis le début de la rencontre. Une rencontre qui n'a pas été en faveur du côté des Genois. Tout va bien. Tous chapeau pour Olivier Talbot et on marque des buts à profusion. On a remporté le match hier 4 à 1. Fait la main parfaite du côté des Genois. On laisse pour Flajol. Flajol de l'autre côté pour Desblois. C'est pas de bloc, c'est bien numéro 61, gagné. Gagné avec le disque de l'autre côté et l'extrémité pour Nadeau. Nadeau, pour ce coéquipier Flajol. Raté le tir frappé. Flajol pour Nadeau. On envoie derrière le filet. 1 minute 34 à faire à ce match. 1 minute 38, 1 minute 31 à faire à l'avantage numérique. Devant le filet, un tir retour bloqué par Gélina. On va tenter de dégager. C'est fait. L'impression de la part du numéro 10. Zachary Thibault. Genoux qui récupère une passe devant le filet. Ça a manqué de peu. Zachary Gagné qui avait réceptionné cette rondelle. Un tir qui a manqué de précision. Larkin. Pour. On renvoie Larkin. Un tir frappé. Trop loin, retour et le but. Marqué par les Genois. Je crois bien que c'est Zachary Gagné qui sera crédité de ce but. Un retour. Et là, le gardien Gélina s'en veut. Et vraiment pas à s'en vouloir. Un rebond capricieux qui s'est retrouvé directement sur la palette de Zachary Gagné qui par la chute enfilé et déposé la rondée dans un filet presque béant. 6-1 maintenant le score pour les Genois avec une minute précisément à faire à cette rencontre. Les Genois qui vont remporter une 20e victoire cette saison. Du côté des Dragons, ça sera une 12e défaite. On récupère du côté des Dragons. C'est Darcy qui a envoyé ce disque directement sur l'équipement du joueur des Genois. On récupère derrière le filet pour Darcy. Darcy se fait enlever la rondelle par un joueur des Genois. C'est bien Boudreau Miller. 37 secondes à faire à cette rencontre. On a marqué encore une fois un avantage numérique du côté. Zachary Gagné marque son deuxième filet du match ici. On attend l'annonceur maison qui vient d'annoncer la nouvelle. On va tenter d'écouler les dernières secondes pour Lemoine. Je prononce bien. Un tir de loin. Stoppé par Frenette. Numéro 35, des Genois qui récoltera sa 11e victoire de la saison. La meilleure s'affiche encore une fois. On est collé dernière seconde. Victoire des Genois par la marque de 6 à 1 ici au centre Mario Tremblay. Comme je l'ai dit, une 20e victoire cette saison pour les Genois. Les Dragons qui. La séquence de victorieuse se termine cet après-midi. Donc, par un résumé de la troisième période, en avantage numérique, Olivier Talbot qui marque son tour du chapeau assisté de Tommy Desblois. Par la suite, le sixième but des
Les Janois, encore une fois, comptant l'avantage numérique. Zachary Gagné qui marque son 12e filet de la campagne, assisté de Jacob Bernard et de Justin Larkin. Donc, une belle performance, l'avantage numérique. 3 buts marqués, si je crois bien, avec l'avantage d'un homme cet après-midi à Alma. Et donc, c'est ce qui met fin à cette partie. On vous souhaite une agréable journée et une bonne début de semaine. Donc, c'était Zachary Desrosiers. Donc, on se revoit la semaine prochaine. Au revoir.